Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode et un des derniers du challenge des ados parfaits. Alors on retrouve bien sûr Papa John, hyper motivé, il nettoie la baignoire, c'est un vampire, il a toute la nuit devant lui pour faire le ménage. Nous sommes vendredi, presque 3 h du matin, c'est sûrement un des derniers jours d'école des gosses. Petit tour d'horizon. Ah, il a fait que 25% de ses devoirs. Ok, je note et... Il a tout de validé. Elle a tout de validé et elle a un A. Lui, il a un B. Zut, et il a tout de validé. Toi, tu as tout de validé et en cours, tu as un B aussi. Mais tu devrais sûrement avoir un A. Toi, tu as un A. Tu n'as pas fait tes devoirs. Vous êtes deux à faire vos devoirs ce matin. Et vous, tu as tout de validé également. Elle, toute validée. Et un A de moyenne. Performance moyenne, ok, d'accord. Et Aurélie, la dernière, elle a fait ses devoirs et elle a tout de validé également. Donc, on respire un coup. Enfin, tu vois, moi, je respire un coup. On est à 3 jours de l'anniversaire. 3, 2. Bah ouais, mais ils ont tous des âges hyper différents. Je ne sais pas trop. Bon, bah, ça veut dire que dans 2 jours, je les fais grandir, hein. Il faut pas déconner non plus, hein. Et elle, 1. Ils vont tous grandir le même jour, de toute façon. Donc peut-être que ce sera l'épisode prochain. En tout cas, c'est là vraiment leur, je pense, dernier jour d'école. On croise les doigts. Tout se passe bien. Papa John, il s'éclate. Mon Dieu, tu danses comme ça sur de la musique pareille. Ok, très bien. Chacun son trip, chacun son trip. J'espère que tu vas choper les abonnés, mon petit John. Oh là là, c'est quoi ce rire? Oui, 122 000! Ouais, 122 000 abonnés! Tu es le meilleur! Attends, et si tu fais... Ah! Réseau social. 132 000 abos! Putain, mais ça va vite. Hein. Toi? Je pense pas, hein, ma cocotte. Tu ne demandes aucun conseil à ton père, tu demanderas. Non! Oh putain, c'était tout juste, hein. Elle s'est ravisée au dernier moment, elle s'est dit wesh, non, ça va. Et tu vas manger, tu vas servir petit-déj. Salade de fruits, voilà, ça te fera faire un peu. Toi, t'as fait tes devoirs et tout, il me semble, donc c'est parfait. Putain, tu te lèves super tôt, hein, t'es motivée, elle est en cours. Hein. Et hop, 175 abonnés, on est toujours à 132 000 abonnés. John, tu es. Mais très très bien, tu es un bon garçon. Tu vas y prendre une douche aussi, puis se commencer à s'occuper des gosses, qui vont se réveiller très tôt, je pense. 6 h du matin, oh là là, oh là là! Il y a une vague de je me réveille. Tiens, tu vas aller au petit, tu vas aller au pipi room avant, toi, parce que sinon vous allez tous vous servir en même temps pour bouffer. Toi, hein, tu vas aller aussi pipi room avant. Et après, tu mangeras. Ok, toi, je t'ai fait, toi, toi. Toi aussi, tu dois aller aux toilettes! Mais non, toi, tu vas aller manger avant et après, tu iras aux toilettes. Allez, go! Ne faites pas tous en même temps. Oui, tu vas manger. Regarde, ta soeur, elle a fait une petite salade de fruits. Toi, tu dois faire tes devoirs aussi après. Et bien sûr, où sont ces devoirs? Où sont ces devoirs? Ils ont disparu du placard. Dites-moi, où sont ces devoirs? Cette fois, cette fois, cette fois, j'en ai... Ah, ils sont là. Où sont ces devoirs? Ah, on va s'occuper de nos enfants. Faut qu'ils fassent des... Voilà. Intelligents, tout ça. Toi, ok. Attendez, est-ce qu'il est 6 h 30? Je regarde surtout. Toi, on sait que tu dois faire tes devoirs aussi, donc je vais te lever. Tu vas manger. Tu vas aller aux toilettes. Et hop, tu dois faire tes devoirs. Toi, tu dois aller aussi... Tu dois tous aller aux toilettes, ces gens. Utiliser, prendre une douche. Ok. C'est bon, c'est bon. Ok, la moyenne est bonne. Toi, t'as tes devoirs de prévu. Elle, je lui ai fait faire aussi des devoirs supplémentaires parce que comme elle est moyenne au niveau de ses cours, de ses notes et tout. Nicolas, je crois que c'est toi qu'on a fait coucher en dernier en même temps, donc c'est normal.
Allez, il va être 7 h, tu vas te lever, tu vas aller aux toilettes. Et tu vas te divertir, tu vas regarder la téloche. Non, tu vas manger. Et regarder la télé. Voilà, je pense que là, on est bien. Il pleut. Voilà, comme ça on est au courant. Bah non, de toute façon, dans mon jeu, moi, il pleut tout le temps. Donc, on est habitué, hein. On va pas se choquer en disant, ah bon, mais quel temps pourri. Non, bah c'est normal, il pleut toutes mes parties. Ne perds pas ton temps, non, nettoie pas, fais tes devoirs plus tôt. Ne t'inquiète pas, je vais faire le boulot. Ouais. T'es sûr que non, toi je t'ai pas demandé de faire des trucs. Je sais plus, tu vas aller là. Tu vas prendre ta douche. Et danser si tu veux. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah. Oui, non, parce que je veux pas qu'ils demandent des conseils, hein, les gosses, là, parce que ça va pas le faire, là. Toi, mon toi, moyenne est terminée, cours dans 30 minutes. Tu vas manger un truc. Papa John, hop. Mais c'est bien, et toi tu fais tes devoirs, c'est bien, tout le monde est bien. 25%, elle. Tu vas. Ah, sérieux. Va, arrête d'aller aux toilettes, tu m'agaces. Fais tes devoirs. Elle va arriver en retard et tout, là. Oh là 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 là. Ouais, faut pas que j'oublie quand même, je regarde parce qu'ils sont. Ça, c'est bien. Lui, il est AP, hein, donc lui, attends, je vais tous les faire bosser à l'école. Hein. Donc, il faut qu'ils soient tous bien remontés. Divertissement. Ouais, c'est bon, il regarde la télé. Lui, il est très concentré. C'est parfait. Elle va se laver. On est bien. Il se divertit. Elle se divertit pas des masses. Papa, tu peux aider elle à faire ses devoirs? Parce qu'elle est un peu plus en retard que... Qu'est-ce que tu fais? Ah, jour de l'amour! Mais vous êtes tous célibataires. Il n'y a que le papa qui est fiancé. Donc vous inquiétez, vous stressez pas, hein, ça sert à rien. Tiens, papa. Arrête de discuter et travaille. Philippe part à l'école. Ok. Alors, Philippe, tu vas. Non, pas te faire des amis. Tu vas réviser assidûment. Elle est remontée un peu aussi. C'est bien, pour l'instant, ils sont pas tous à la bourre. Je vais attendre qu'il soit 8 h 30. Et on sera un peu tranquille, ils pourront tous y aller tranquillement. Non mais c'est bon, la vaisselle, laisse ça. Ouais, elle sera pas divertie, mais c'est pas grave. Toi, vas-y, va en cours. Devoir terminé, Aurélie part à l'école. Aurélie, elle va réviser assidûment. Travail supplémentaire terminé. Parfait. Ok, lui, t'as bien terminé tes devoirs, hein? Ouais. Et bah, tu vas réviser assidûment. Allez. C'est bon, il a déjà A, hein, mais bon, on va tous les faire bosser. Lui, il a B1, hein, donc il va réviser assidûment. Mais normalement, il aura un A. Elle, on va faire réviser assidûment. Elle fait déjà réviser assidûment. Ok, va en cours, toi. Et elle aussi, putain, elle est en train de manquer les cours. Va en cours, toi là! On va travailler à la maison. Oh, il était promu au poste fabricant de même John et Chief. Il gagnera désormais 59 simflouzes de plus par heure, soit 156 simflouzes de l'heure au total. Oh, c'est énorme! En bonus 311, le studio d'artiste, faire la publicité d'un projet important, promouvoir une photo, annoncer sa venue à un endroit. Devenir concentré, gagner de l'argent en faisant de la publicité pour un produit important. Avoir 1 million d'abonnés! Il déconne quoi? Je crois que c'est si facile d'avoir 1 million d'abonnés. Déjà 600 abos, c'est beaucoup, hein! Moi, je sais de quoi je parle pour les 600. On est 600, merci à tout le monde. Et voilà, je suis très contente. Bon, ben, Papa John,
jour férié, jour fête de l'école pour le jour férié de l'amour. Cette semaine à l'école, les hommes ont invité leur moitié au bal annuel de l'école pour le jour férié de l'amour. Le jour férié, mais non, c'est pas censé être férié. Il y aura des cookies, du jus de fruits, de la musique, des échanges de fleurs et de cartes, bien sûr, et les chaperons embarrassant personne n'a encore invité Philippe, ce qui lui laisse deux options. Il y avait seul, il y avait quelqu'un de spécial. C'est un acte courageux et c'est ce qui devra. Rose que devra venir Philippe pour son consoler. Il a invité à la fête de l'amour, fête de jour l'amour, quelqu'un de spécial à ses yeux et a essuyé un refus immédiat. Ce nom instantané a été suivi de ricanements cruels de ses camarades de classe. Philippe a passé la fête caché dans les toilettes, mort de honte avec un biscuit en forme de lama pour seule compagnie. Même si ce dernier était délicieux, il n'y a pas de compte. Oh! Et voilà, il a chialé sa mère. Il a un pays, c'est pas grave. Mon papa, tu vas faire la vaisselle. Et on va travailler ton. On va travailler. Ah! Ton boulot web, parcourir Simpedia. Poum 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 pouloulou poum poum poulou. Et tu vas aussi apparemment répondre aux emails, comme ça on fera des choses très intéressantes. Et je n'ai pas mis. Non, mais non, je réponds pas. Parce que si c'est pour le truc, on va encore perdre. Non, je réponds pas. Je ne réponds pas à leur appel. C'était elle qui est partie. Hop, refusée assidûment. Allez, go, Papa John. Ah, oh, mais non, mais ça va me gaver là. En cours d'art plastique, les élèves de la classe de Paul doivent créer des cartes sur le thème des fleurs. Après avoir rassemblé des paillettes et crayons de couleur. Non, mais ils sont grands, hein. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent des crayons de couleur là, hein? Des pelles à papier carton et des cure-pipes. Paul s'assoit et prend le temps d'infléchir car elle déborde d'inspiration. Les cartes seront partagées et ouvertes avec le reste de la classe pendant la fête. Il faut donc qu'elles soient réussies. Deux idées. Créer des cartes hilarantes. Non, des sincères. Oh là 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 là, mais laissez-moi! Parfois, ouvrir son cœur dans une série de cartes intimes distribuées à une classe entière d'adolescents n'est pas une mauvaise idée. Mais merde, vous me faites chier là! Ils vont tous prendre des mauvaises décisions, c'est ça? Ah, oh, mais c'est chiant, crier meilleure balle. Non, mais c'est bon, mais. C'est quoi ça? Je suis harcelée. Mais non. En tout cas, elle s'est réussie, hein, voilà. Créer des cartes hilarantes et que. Alors, je vais refaire sincère. Est-ce que ça va marcher? Mais punaise! Les cartes fleuries. Hilarantes. Ah, j'en ai marre. Raté, raté. Allez. Je rate tous mes trucs, moi, tout va bien. Non, je réponds pas. Cassez-moi pas les couilles. Ah non, mais là, quand même. Promouvoir une photo. Non. Tu vas juste poster une photo. Non, publie un statut seulement. C'est bon ou quoi, tu. Non? 10 000 abonnés! Tout, tout, tout! Elle va y aller seule. Et bien sûr, c'est pas bon. Allez, j'en ai marre. Franchement, partager des blagues. Et tu vas refaire le Simpedia parce que tu n'es pas concentré. Fantastique professeur. Oui, il est fiancé. Oh, mais non, ça m'énerve. Allez, on va faire des cartes hilarantes. Et ça marche pour elle. J'ai raté la moitié des gosses, mais bon. T'es tendu. Ok. Ça fait le minimum pendant un temps. Vous voyez une réponse? C'est une photo d'un grillon qui craquette. Je n'ai pas compris. Je n'ai point compris. Il s'est fait un flop. D'accord, ok, très bien. Bon, on est loin du million d'abonnés, hein. Ce serait compliqué à avoir, je pense. Hein. On va déjà se concentrer sur devenir concentré et après gagner de l'argent dans la publicité d'un produit. On va voir ça aussi. Bon, il va faire sa pub là, sa petite promo. Son placement de produit? Alors si ça fonctionne. Je sais pas trop ce qu'il fait avec des pubs de cheval, mais bon, tu vois bien. Il est censé le faire là. Je pense qu'il a. C'est très bizarre les placements de produits dans les Sims. On a mis 5 étoiles, d'accord, super. Là, il est sur SimsTube. Il regarde les mêmes vidéos. Allez! Alors! Tu vas gagner des abos, ça va fonctionner, tu vas gagner de la thune. Allô? Ça y est?
Punaise, il a perdu 64 136 abonnés, mais n'importe quoi. Dans ce monde, c'est impossible de perdre autant. Il faut avoir fait un sacré scandale, quoi. Oh, tu vas mettre juste à jour, alors. Et tu vas jouer en ligne, comme ça, c'est... Tu vas jouer en direct. Refuge, allez. 15 abonnés, bah c'est... on est vachement descendu, hein, la vache! Tout ça parce qu'on a fait la promo, on a fait un placement de produit et ça a pas plu. C'est la vie. Eh, mais en fait, il est en train de jouer à Sims Medieval. Refuge, mais c'est les Sims Medieval, on dirait. Ouais, une sorte de Sims Medieval, quoi. En tout cas, c'est les vêtements de Sims Medieval. C'est le décor du Sims Medieval. Et ça ressemble vachement au Sims Medieval. C'est génial, ça me fait trop rire. C'est très sympa. Attention! Pam 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 pam! Oh! Ils sont tous revenus d'un coup. Note en hausse, Philippe a eu A! Fantastique, Aurélie, les notes en bas. Oui! Attendez. Nous avons A, 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 nous avons A, nous avons A, nous avons A, A, bon, pétage de câble. En tout cas, j'ai réussi à avoir des A partout pour tous les enfants. Ils sont vraiment parfaits, ces adolescents. Ni, je regarde, il n'y en a aucun qui va bien. Et surtout, aucun, ce qui est très bien, ne demande, ne veut faire de conseils à son daron. Donc, on est bien. On va s'occuper, donc. Toi, tu vas manger. Puis, tu vas pisser. Toi, tu veux du manger, tu vas pisser, puis manger. Déjà. Toi, tu vas te distraire avec... lui. Ouais. Ok. Voilà. Alors, c'est Nicolas. Philippe, Louise et Aurélie. Nicolas, Philippe, hop, hop, hop. Eux, ils vont s'occuper comme ça. Oh, Nusha, toi, tu vas manger, pisser. Qui c'est qui a? Ah oui, on a ramené quelqu'un, on ne sait pas qui c'est. Hélène Garcia. Oh bah, vu le look. Ok. Bon, ils vont vaquer leurs petites occupations. Elle a pété le frigo. Cette salope, c'est une petite salope. Oh, John, tu pourras manger Hélène Garcia. Voilà, petite quantité. Allez, tu vas arrêter de streamer un peu. 1200 abonnés. Bon, bah ouais, on a tellement perdu que. Tu vas manger un coup. Oh lui. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Je t'avais pas dit de manger? Manger pisser, voilà. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Pleurer sur la vie de manière théâtrale. Ok. Papa, après, tu iras réparer ça. Ouf. Voir ce qu'il passe. Oh, mon père est un vampire! Tu peux manger aussi, hein. Et toi, là, tu sais pas te contenir. Non, parce que contrôle des émotions, tu vas te... Va courir un coup. Toi. Alors, c'est toi qui te prépare un sandwich, mais c'est ta soeur qui le bouffe, d'accord. Allez, tu vas aller manger un truc. Oui, tu serais pas un peu bugué quand même, viens ici. Voilà. Tu sais quoi, tu vas essuyer pendant ce temps-là, alors si tu sais pas manger. C'est bientôt l'anniversaire de Paul! Bah maintenant c'est lui qui va vieillir en prums. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Il va mieux. Ouais bah regarde la télé. Non, c'est bon, papa, il fait plus rien. Allez, tu vas faire ça. Manger. Non. Manger. Regardez
La télé. Qu'est-ce que t'as, toi? C'est sale. Oh bah tu peux jeter, hein. Ça me dérange pas. Alors, Émilie Lambert. Ouais, vas-y, viens, c'était notre petit bouc émissaire. Alors, c'était du baby-foot de haut niveau. Nicolas et Louise a finalement battu Aurélie et Philippe 5 à 1. Ah oui, quand même. C'est pas mal, les gosses, c'est pas mal. Bah, tu vas aller pouvoir manger et aller aux toilettes. Toi. On va prendre une douche, mon petit. On va prendre une douche. Louise, elle va aller manger. Et Aurélie, elle va aller aux toilettes. Voilà. Chacun a son petit truc de fait, là. Lui, il est toujours dans ses états pas possibles. Nous sommes vendredi soir. C'est la fête. Ta-ta-ta-ta. Toi. Mais putain, ouais, il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Festival des épices. Tu vas pouvoir aller quand même manger, tu vas voir. Papa, ça va? Bah, papa, il va. Tu peux nettoyer ça. Et tu peux retourner sur ton réseau social. Mettre à jour ton statut. On va peut-être gagner 15 abonnés, mais au moins, on va gagner des abos. Pour l'instant, personne ne vient nous demander des conseils, donc on est bien. Ça, je vous dis, c'est ma peur, hein. C'est ma peur qu'ils perdent leur trait assis près du but, quoi. Vraiment, ce serait horrible, hein. Je vous l'accorde. Putain, j'ai tellement réussi de justesse. Elle était en train de lui demander conseil et j'ai réussi à annuler la... Oh, va jouer à Big Block, ça te détendra. Oh, t'as reçu un texto de ton mec? On va diminuer la responsabilité. Oh, j'en ai marre, mais sérieux, c'est chiant. Pff, tu me gonfles, toi. Connasse, va prendre ta douche, va bouffer, et après tu feras tes devoirs, rien à foutre. Et je peux te dire que des fois, tu vas en faire 15 millions s'il faut. Mais non, mais c'est... Tu as en plus, ça augmente ta responsabilité. Bon, a dit, voilà, responsabilité. Je vous dis, c'est la seule chose qui peut être rapide à rechoper rien qu'en faisant ses devoirs. Mais c'était bugué! Oh, j'en ai marre! Nicolas, ne t'avise pas. Non. Putain, mais... Oh, ce que ça m'énerve! Enlacé. Tu vas rien enlacer du tout. Putain, mais tu fais même pas le ménage quand on te demande de le faire, quoi. C'est hallucinant. Papa, tu vas faire une toile. Allez, hop. Tu sais pas quoi faire, tu t'occupes. Ah, je vous jure. C'est le stress! Maintenant, voilà, je dois faire récupérer la responsabilité d'eux, quoi. Connasse! Vous savez pas vous en sortir toute seule? C'est votre problème. Niveau 7, compétences peinture, c'est très bien. Nicolas. Puis il est dans un état. Tu vas prendre une douche aussi. C'est lui. Raconter une blague autodénigrante. Offrir le cadeau du jour de l'amour. Un projet scolaire, système solaire. Vas-y, qu'on rigole. Et discuter sans intérêt. Ah, t'es contente, toi, hein, connasse, hein? Voilà, elle remonte son divertissement, ça y est, elle est mieux. Ah, punaise, végétarienne et initiée. Très bien. Ah, tiens, est-ce que ça va lui plaire? Oh, bah non, alors. Illuminer la journée. Et discuter des techniques d'entraînement, c'est très bien. Quoi? Non. Ah oui, j'ai oublié qu'ils chantaient. Ouais, mais le jour de l'amour avec les gamins, ils sont quand même. C'est un peu compliqué, hein. À la limite, lui, il peut appeler Lilith pour qu'elle vienne, hein. C'est sa fiancée, mais quand même. Ok.
Charlotte, ça va pas du tout, Charlotte. Elle est où cette idiote? Cette idiote de Charlotte. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Ah oui, je l'avais emmenée courir, mais qu'est-ce qu'elle est con? Ah oh, vache! Mais qu'est-ce qu'elle est idiote celle-là? Mais qu'est-ce qu'elle est con celle-là? Tu vas aller aux toilettes. Ta-ta-da-da-da-da. Tu vas manger. Non, c'est où? Là, tu vas prendre ça, paf. Et tu vas regarder la chaîne actuelle. C'est très bien. Espèce d'idiote! Lui, il est parti se coucher. Non, ça va pas, non. Tu me diras, quand ils dorment, au moins ils font pas chier le monde. C'est ça qui est bien. Tu vas chanter la chanson à ton frère. Tu vas aussi essayer de lui remonter. Merde, le moral. Partager des photos. Comme ça, quoi. Chuchoter à propos du béguin. Tu vas discuter, voilà. Toi aussi, tu peux aller manger, hein, connasse. Ah oui, il y va, mon Dieu, oh là là. C'est difficile la vie. Je vous jure. Alors, ça y est, maintenant tu peux aller chercher à manger, voilà. Non, nettoie. Tu manges. Qu'est-ce que tu fais? Et il y en a une qui fait un drôle de bruit, hein. C'est elle? On dirait qu'elle faisait autre chose, hein. Tu vas vendre un collectionneur, tu veux faire quoi? Aider à faire ses devoirs. Ouais, non, tu la laisses tranquille. Elle va regagner sa responsabilité, là. Allez, toi aussi. Dépêche-toi. Dépêchez-vous, bande de petites connes! Lui, il est mortifié, hein, donc... Demandez à être rassuré. Complimenté. Et enlacé. Voilà. Tranquille. Tranquille, Émile. Papa. Je n'aime pas te voir sans surveillance. Je préfère finalement quand ils sont en cours, les gamins, comme ça. Tu vas retourner un peu sur ton réseau social, là. Tu vas partager des blagues avec tes abos. Quoi qu'il est mal à l'aise, logiquement, ça devrait pas fonctionner. Si, ça y est, il est confiant. Qu'est-ce que tu viens faire, toi? Juste utiliser toilette. Ah non, mais moi je vous dis, je suis au taquet là. Le moindre truc, ça pose problème. Mais toi là, t'as envie de pisser? Mais t'es con quoi? Pourquoi t'y vas pas? Personne qui t'empêche d'aller pisser, mon gars. Qui est con lui aussi. Un rayon qui graque. Encore? Mais qu'est-ce que. Non, tu arrêtes de vouloir enlacer les gens. Toi, t'arrêtes de nous harceler. Et vous allez vous occuper les uns les autres, là. Toi, regarde la télé. Voilà. C'est couille au bout d'un moment. Toi. Non, mais c'est pas ça ce que je veux faire. Reprends salade du jardin. Bouffonne. Oui, tu vas pas te laver les mains, on s'en fout. Tu vas juste manger. Allez, dépêche-toi. Mais arrêtez de vouloir faire à bouffer, il y a plein de trucs dans le frigo, mais c'est pas possible ça aussi. Allez! Qu'est-ce que tu fais? John! Non! Tu la laisses tranquille ta gosse, c'est une connasse. S'il faut, toi tu joues en direct pour gagner des abos. Oh, il va péter quand même. Oh là là là, oh là 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 là, la dégueu. Oh, Mazette, les Sims, PNJ, ils sont tout pétés du cul. Ta 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 ta. L'angoisse, quoi. Vraiment l'angoisse. Wouah! On a un bébé qui est né. Ça y est, Lilith a accouché. Ils ont enfin eu un garçon qui s'appelle Christian. C'est un prénom pas du tout actuel. Merci les Sims. Vous voyez notre pays, la France, comme un très très vieux pays resté coincé dans les années, je dirais, années 30, 40, 50, 60. On est en 2018, gars. Hein, quand même. Merci Lilith pour cette information. Yeah, la responsabilité de Louise est revenue. Nanani nananou nanu. Ok.
Discuter. Non, tu vas discuter. Elle aussi, elle va regagner sa responsabilité. Est-ce qu'elle est remontée beaucoup, ta responsabilité? Ouais, une moitié quand même. Toc toc qui est là. Très bien. Et toi, arrête de dormir. Pourquoi t'es triste? Parce que t'es morose. Ok. Tu suis pas. 21h43 avant de te faire des conneries. Et tu peux courir. Oh non, il a l'écran dans son journal. C'est chouchou. Reprends-le avec toi. Comme ça, il fait. Là, on a un conglomérat aussi, hein. Ah oh, bah, il va mieux, hein. Mais après, tu iras te coucher. Toi, tu iras te doucher, te coucher. Toi. Toi, tu t'amuses. Ça, c'est bien. Responsabilité, c'est bon, c'est bon. On est revenu. On est revenu bien, là. On va y arriver, on va s'en sortir. Le jour de l'amour, hein. Bah, on dira pas, mais... C'est... Voilà. Chouk, tu vas arrêter ta diffusion. John? 1200 abonnés, d'accord. Donc, tu vois, tu chopes que 2200 abonnés. Quand tu fais un stream. Tu vas rejouer, direct. Hop, tu vas faire vivre les Sims. Et puis, on va enchaîner comme ça. Je pense que c'est mieux. Peut-être qu'on en obtiendra un peu plus... Ah, voilà, 9000! John, Adar et Burritos, super. On est remonté, hein, mais on a quand même pas remonté autant que ce qu'on avait perdu. Donc ça, c'est chaud. Ouais, on va tester, on va recouper son streaming. 1200, ouais, c'est ça. En direct, on va faire sport incroyable. Donc tu vas me refaire sport incroyable. Et on... dès qu'on a... On fait quoi, 10-15 minutes et... Sims, évidemment, hein. Et on recoupera le stream, on verra si ça fonctionne encore. De toute façon, il n'y a pas d'heure pour se coucher, demain, il n'y a pas école. Donc, ils n'ont pas besoin... En même temps, ils sont levés super tôt aussi, les gosses, donc c'est normal qu'ils soient fatigués. Puis je préfère qu'ils aillent dormir, que comme ça, ils ne demandent pas de conseil à leur père, et ça, on ne perd pas des traits de qualité personnelle, parce que sinon, c'est compliqué. Sur tour d'horizon au niveau des anniversaires de 1 3 c'est tellement pas logique 2 3 2 et 3 ouais voilà c'est entre 1 et 2 et 3 et c'est elle en même temps c'est vrai que je me souviens que c'est la première qui a fêté son anniversaire pour devenir ado quand elle a eu le trait d'empathie donc c'est logique tu arrêtes ton stream. On va aller manger quelqu'un dans la rue aussi. 1200 abonnés. Voilà. On va aller manger quelqu'un dans la rue avant qu'il soit trop tard. Et on reprendra les streams. Notre jolie petite victime nous a attendu sagement pour qu'on puisse la manger. C'est magnifique. Hop là. Vampire, voir du plasma. Ouais. Pour l'instant, on n'a que ça comme pouvoir, mais c'est déjà pas mal. Lui, il se sera bien désaltéré. Tu vas discuter un peu avec elle pour remonter ton besoin social et ça sera, on sera très bien. Ah non, elle est contente. Particulièrement succulent, c'est ça? Ah non. Ah, salut, au fait, je m'appelle John. Faire une imitation. Raconter une histoire dramatique. Une mini la journée. Et puis... et au revoir. Voilà, regardez. Il aura remonté son besoin. Oh, monsieur. Vous êtes très coquet. Et c'est un vampire. Bah oui, parce qu'à cette heure-ci, on rencontre plus que des vampires dans la rue. Nous sommes à Willowcreek, c'est normal. Tous les enfants sont partis se coucher, donc on est bien, on est bien, on est bien. Et papa, tu reviens après ici. Et tu continueras tes streams, oui. Big block cette fois-ci. Et on va regagner des abos. On va regagner des abos, on va arriver au presque 100 000 sur 1 million. C'est génial.
J'adore. Et voilà, John va se mettre à bosser en streaming à 1h44 du matin pour les Canadiens qui nous regardent. Bon, je sais pas si y a quelqu'un du Canada qui me regarde, mais avec le décalage horaire, en fait, je pensais, je me dis bon, allez, voilà. Bref, et puis je vais vous quitter pour cet épisode. On s'en est plutôt bien sorti. On a raté complètement le jour de l'amour, mais bon, c'est pas une bonne. Voilà, c'est pas nouveau, mais maintenant j'avais pas le temps de me consacrer à ça. Et puis Lilith se serait pas pointée. Il y a aucun de mes enfants qui est en couple. Donc vraiment, c'est pas grave. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis donc à très bientôt pour le prochain épisode. Et peut-être dernier, hein, qui sait, des ados parfaits. Allez, salut!